Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver. Alors Seb va pas tarder à me rejoindre. On est prêt pour un 24 heures sur un petit plan d'eau public de la région. Alors désolé, il est 6h du mat, c'est pour ça que la luminosité est aussi basse. Allez, on va commencer à pêcher. Espérons qu'on en fasse du poisson. Bah ben Polo, hein. Tes billes elles fonctionnent, hein. On va voir, hein, la surprise, qu'est-ce que c'est? Poisson chat. Voilà, après toute la journée où on aura essayé de faire du poisson, après la décroche sur la canne de Seb, enfin un poisson sorti. Et ce, sur une bouillette de fond, de la bouillette tarnaise, sur une fish and run de 20 mm, où j'avais mis un blindage, une gaine thermorétractable pour éviter de se faire bouffer les appâts, parce qu'ici, on a écrevi ces poissons chats. Et donc du coup, je l'ai fait sur un montage combi rig dont on va parler juste après. Mais en attendant, je suis très content. Au moment de l'été, j'ai essuyé un capot de deux jours, pardon. Et là, enfin, sur ce 24 heures, je finis par faire un poisson. Espérons que ça continue. Je voulais vous parler d'un montage qui certes n'est pas tout jeune puisqu'il date d'il y a au moins 20 ans. Mais que je trouve quand même génial et toujours actuel, c'est le montage combi rig. Combi rig, car il combine de la tresse et du nylon clair ou du fluorocarbone. La première partie est réalisée en monofilament, ce qui lui confère discrétion et rigidité. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on limite les emmêlements lorsqu'on lance le montage. Un conseil, utilisez plutôt du fluorocarbone en 40 centièmes minimum. Le mieux étant de mettre du 50 ou du 60 centièmes pour avoir une meilleure rigidité. La partie terminale en tresse, qui sera réalisée en enlevant le gainage si vous utilisez une tresse gainée, permet de bien présenter les zèches, qu'elles soient équilibrées, de fond ou décollées. En ce qui me concerne, je préfère utiliser ce montage pour des appâts équilibrés. Le line aligner qui est placé sur l'hameçon permet un bon basculement de l'hameçon dans la bouche du poisson. Concernant la jonction des deux parties, on fait normalement un nœud de tête de ligne. Cependant, je préfère utiliser un émerion pour être sûr que la jonction tienne. Voilà comment réaliser ce montage. Coupez 30 cm de tresse, enlevez le gainage s'il y en a un et faites la boucle du cheveu. Mettez vos trèches
et bloquer là avec un stop à part. Passer l'autre extrémité de la tresse dans l'œillet de l'hameçon, régler la bonne longueur de cheveux et réaliser votre nœud sans nœud en descendant jusqu'à l'alignement de la pointe. Serrez bien et faites glisser un line aligner sur l'hameçon. Attachez la tresse à un émerillon grâce à un nœud palomar en laissant 1 cm maximum entre l'émerillon et le line aligner. Prenez du nylon clair ou du fluorocarbone et nouez-le à l'autre extrémité de l'émerillon, toujours grâce à un nœud palomar. Coupez-le à la longueur voulue. Faites glisser 1 cm de gaine thermorétractable sur l'émerillon. Faites glisser un sinker puis une sleeve anti-tangle et nouez un émerillon grâce à un nœud palomar. Faites rétracter la gaine en laissant l'œillet côté tresse découvert. Rigidifiez votre monofilament à la vapeur ou à l'eau bouillante et terminez en mettant de la pâte plombée à côté de la gaine thermorétractable sur l'œillet découvert côté tresse. Votre montage est enfin prêt. Vous avez la possibilité de rajouter un bout de gaine thermorétractable sur la hampe de l'hameçon afin que le cheveu soit plus collé à ce dernier. Durant cette nuit, je n'ai pas refait de poisson, mais Seb lui a enregistré 2 départs, dont un départ qu'il a réussi à concrétiser par une petite miroir issue de la levinage. La session touche ainsi à sa fin. Je voudrais remercier évidemment Seb de m'avoir accompagné et également Thomas de nous avoir aidé pour les images. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne pêche si vous apprêtez à y aller. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.